thème, mon petit thème que je donne, la loi changera à cause de toi. Dis ça à ton voisin. Je n'ai pas entendu ton amen. Partout des lois seront posées. Toi, tu arrives, tu vas changer ça. Je n'ai pas entendu ton... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prenons la Bible dans Luc, le chapitre 17, le verset 11 au verset 14. On va lire une histoire importante qui nous fera du bien. Allons vite. Luc, le chapitre 17, le verset 11 au verset 14. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, verset 13, Jésus. Maître, aie pitié de nous. Verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous montrer au sacrificateur? Et pendant qu'il y allait, il arrivait qu'ils furent guéris. Amen. On peut acclamer cette parole de Dieu. Nous savons que la loi, c'est une prescription établie par l'autorité, souverainement de l'État, que tout le monde doit appliquer pour son droit et pour son devoir. Donc, quand cela est établi, tu n'es plus capable de changer cela parce que c'est l'État qui a établi cela. C'est une loi. Quand une loi est installée quelque part, chacun est tenu d'obéir parce que c'est un principe qui nous donne de marcher selon ce qui est établi. C'est inchangeable. Tant que, n'est-ce pas, les auteurs ne sont pas mis ensemble pour dire on doit élaborer et donner encore un autre principe, personne ne peut changer. La loi de Dieu est établie dans ses principes selon sa parole de la Genèse à l'Apocalypse qui nous donne le droit de n'est-ce pas, lire sa Bible, sa parole et de marcher dans ses principes. Bien-aimé, dans ta maison, il y a aussi une loi qui est établie, cette parole que tu as établie, et tout le monde est tenu de suivre, toi-même, tes enfants, les servantes et tous ceux qui viennent sont tenus de marcher. Celui qui est au-delà de cela désobéit à ce que tu as établi. Mais ici, le thème nous dit, la loi doit changer à cause de toi. Pourquoi? Parce que quelque chose de grand, quelque chose de terrible, quelque chose de fort habite en toi. Regardez ce que nous venons de lire dans la Bible. La Bible nous parle de 10 lépreux. Vous savez, en Israël, une loi a été établie concernant les lépreux. Quand tu es lépreux, on t'amène hors de la ville. Parce que ta maladie, là, personne ne peut guérir. C'est considéré comme une grande malédiction. Et tu ne fais plus partie de ceux, n'est-ce pas, qui sont dans la ville. La population, tu dois être hors. Donc, tu es écarté de tout le monde. Il est impossible à un lépreux d'aller voir le souverain sacrificateur pour, n'est-ce pas, échanger avec lui parce que tu es considéré comme maudit. Mais voilà quelqu'un qui vient, qui a en lui une grâce particulière. Christ, qui était ce jour-là du passage. Vous savez, les points où le Seigneur est arrivé, chaque point où Christ mettait les pas, était calculé par Dieu. C'était pour agir, c'était pour apporter sa gloire, c'était pour apporter la vie. Jésus n'arrivait pas dans un lieu en vain. C'est parce qu'il voulait poser une action qu'il arrivait. Ce jour-là, il était des passages, comme la Bible nous le dit. Mais il savait qu'un miracle allait se produire. Il savait qu'une gloire allait se manifester. Il savait que des destins de malheur allaient se changer en destins de gloire. Il savait qu'une maladie allait disparaître en ce jour-là. Donc Christ arrive. Fais-nous dans Romains 12. Merci pour le son. Et la Bible dit, 10 lépreux l'approchent. Ça veut dire quoi? 10 personnes qui ne peuvent pas agir à cause de la loi. Ça veut dire quoi? Qui ne peuvent pas être dans la ville à cause de la loi. Maudits par la loi. La loi juive qui les condamne. Il les met hors de la ville. Approche le Seigneur et il supplie Christ, fils de David, aie pitié de nous. La seule chose qu'ils recherchaient, ils avaient entendu que quand tu l'approches, quelque chose se passe. Dans la guérison, il y a la délivrance, etc. Regardez ce que Jésus a fait. Il n'a ni imposé les mains à quelqu'un pour dire non, c'est lui qui l'a imposé les mains ou il a dit quelque chose est passé. La seule chose qu'il a fait, il va briser la loi. Je ne sais pas quelle loi dans ta vie, dans ta famille. Je ne sais pas quelle loi l'ennemi a mis devant toi. Je ne sais pas quelle loi les œuvres des ténèbres ou de la sorcellerie familiale ou de ceux qui sont contre toi ont mis devant toi. Je ne sais pas quelle est la loi. La loi de la destruction. La loi
de la mort prématurée. Je ne sais pas quelle loi, la loi de la pauvreté. Je ne sais pas. Mais nous avons quelqu'un qui vit pour l'éternité, qui est tout puissant, qui est capable de toutes choses, dont rien ne lui résiste. Quand il parle, sa main a le pouvoir de l'accomplissement. Jésus dit, allez vous présenter. On dira à quelqu'un, là où tu as échoué, tu réussiras. On dira à quelqu'un, là où ça n'a pas marché pour ton foyer, les choses vont marcher par la grâce de Dieu. On dira à quelqu'un, là où les portes étaient fermées, les portes vont s'ouvrir. Le lieu où les gens se sont moqués de toi, là, c'est là les gens viendront t'apprécier. Je n'entends pas les amen. Je ne sais pas la loi. Écoutez, tu ne peux enfreindre la loi de cette nation établie. Mais Dieu peut te donner de surpasser la loi de cette nation à cause de sa grâce. Oui, il y a des choses qui arrivent. Voilà un jeune homme que vous avez connu dans cette nation qui allait chercher un bébé là-haut, là-bas. Il affreint la loi de la nation. Les papiers sont venus même jour. Là. Quelque chose peut s'y passer dans ta vie. Si lui, il a pu faire ces choses, toi, le Dieu que tu sais au-delà de toutes choses, il est puissant, il est capable de tout. Le même jour, quelque chose peut arriver à ta vie. On a un homme qui va enfreindre une loi dans la Bible. Joseph, c'est qui ça? Il vient, on l'attrape comme prisonnier, un prisonnier. Un esclave vendu chez Potiphar d'abord. Parce que ce n'est pas n'importe quel esclave. L'esclave n'est pas vendu, c'est n'importe qui. Et chez Potiphar, les choses commencent à aller chez lui. La femme de Potiphar s'élève. Il tombe dans la justice. Pour cela, on l'amène en prison. Et regardez, 2 ans après, Pharaon l'enlève. Un seul jour, Pharaon l'enlève en prison. On le lave, on le nettoie, on l'habille. Il se présente à Pharaon en un seul jour. Il explique le songe. Il donne qu'est-ce que le songe signifie. Ce même jour-là, on l'établit comme l'homme qui doit contrôler toute l'Égypte. C'est seulement le trône qui les diffère. Le même jour, il se marie à une femme. Et la gloire lui revient. En un seul jour, Dieu est capable de changer ton histoire. Je vais entendre les amen. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ton lendemain. Il peut changer, bien aimé. Il y a une loi dans ta famille, la loi de la sorcellerie. Les femmes ne se marient pas, on ne prospère pas, on n'avance pas. Mais ça va changer ce soir. La gloire de Dieu se manifestera. Regardez, je vis dans une nation où l'ennemi veut imposer une loi négative. Où tu es obligé de tendre la main pour construire un temple, pour bâtir, pour avancer. Et aujourd'hui, quand tu approches quelqu'un, on dit réseau, réseau par là, réseau par ci. Et on tombe dans les réseaux noirs. Mais je suis presque le seul pasteur qui est en train de comprendre cette réalité où des choses sont en train de se passer. Bien aimé, je peux créer mon univers avec la grâce de Dieu. Dire aux gens, on n'est pas obligé de passer ici, mais avec Christ, on fait des espoirs. Alléluia. Parce que Dieu t'impose dans un domaine pour qu'au travers de toi, là, les gens puissent comprendre que Dieu fait ceci. Aujourd'hui, ils ont gâté la tête de tous nos jeunes pour faire médicaments ou bien faut rentrer ici pour prospérer. Faut rentrer dans tel domaine, faut voyager d'abord afin que la grâce de Dieu. Non, bien aimé. L'argent qu'ils ont là, l'or et l'argent appartient à qui? Au Seigneur. Alléluia. C'est le nom de l'argent qui change. C'est héros. Pour nous, c'est pas. Ou c'est dollar, etc. Le même Dieu que nous prions est capable de se manifester. C'est vrai que nous, on a CFA, mais on envoie souvent l'argent à quelqu'un qui est ici. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? On dit quand tu viens dans tel lieu, non, ici c'est compliqué, on ne peut pas faire ici. Bien aimé, si tu m'écoutes ce matin, ce soir, des choses importantes vont arriver à ta vie. Tu vas vivre heureux dans ce pays-là et rien ne se lèvera contre toi. Non, tu n'es pas obligé de prostituer ta vie, déranger ta vie à gauche, à droite ou compromettre ta vie. Non, bien aimé, avec le Seigneur, on fait des espoirs. Aujourd'hui, beaucoup prient Dieu dans la vue, on prie Dieu parce qu'on doit venir à l'église. Non. J'ai pris Dieu parce qu'entre lui et moi, il y a un deal. Sinon, il fait quoi ici, pastoralement? Alléluia. Il y a un deal. Il m'a dit, si je viens, non seulement il me promet le paradis, mais sur la terre, il impose ma vie. Et là où mes pieds foulent, il me donne en possession. Sinon, je ne viens pas. Alléluia. Il m'a dit, il me garantit. Satan aussi a son deal là-bas. Mais lui ne m'amène pas au paradis. Dieu me donne non seulement le paradis, et il me donne la terre. Il dit, le ciel est à moi, mais la terre est au fils de l'homme. Il règne en haut, moi je règne en bas ici.
Bien-aimé, quelque chose doit arriver à ton histoire. C'est pourquoi ne soyez pas de ceux-là qui viennent à l'église parce que vous venez à l'église. Le pasteur a dit, venez à l'heure. Quand tu quittes ta maison, c'est comme ça, nous chaque dimanche, quand on se lève, on dort. On mange même. Tant que le culte ne finit pas, moi, chaque dimanche, je n'ai plus faim. C'est la parole qui me nourrit. Écoutez, bien-aimé, quelque chose doit se passer dans votre vie. On va changer à ton voisin, on va changer la loi. On est des changeurs de loi. J'arrive sur le territoire où mon église est. On dit que c'est devenu lieu de culte. Oh, avant, c'était les gens qui devaient construire des maisons. C'est déclaré désormais lieu de culte. Et ça va rentrer dans leur papier là. C'est signé. Donc, comme c'est lieu de culte, je prends tout. À gauche, à droite, je prends tout. On est en train de tout clôturer. Je prends tout. Le monsieur, il était sur le territoire du lieu de culte, le blanc. Merci, blanc. Va ailleurs. Et la maison est. On est dans la maison. On est dedans. Là, c'est dedans. On allait voir un peu le gars. Il vivait bizarre. Hein? Bien fini. Allez vous présenter au souverain sacrificateur. On ne se présente pas comme ça au souverain sacrificateur. Un lépreux ne se présente jamais au souverain sacrificateur. Mais Jésus dit, je brise la loi. Allez-y. Dès qu'ils ont obéi net sur le chemin, la lèpre a disparu. Je dis à quelqu'un, ton malheur va disparaître. Je dis à quelqu'un, ta pauvreté va disparaître. La loi de la malédiction va disparaître. La loi des ténèbres va disparaître. La loi du célibat va disparaître. Toutes les lois négatives contre ton histoire vont disparaître. Et Dieu va imposer. Les gens meurent. Toi aussi, tu te calcules parmi ceux qui doivent mourir. Est-ce que c'est ton heure? Quand quelqu'un est mort, ton cœur se coupe. Et il est mort. C'est parce qu'il n'a rien compris dans la vie qu'il est mort. Quand on l'enterre, tu es troublé. Tu rentres à la maison, tu dors plus. Frère, je suis allé prêcher un funérailles, un cimetière. Et les gens pleuraient fortement. Puis ils disent, calmez-vous. Ils vont bientôt l'enterrer. De la même manière, attendre de l'enterrer, nous tous on vient comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer. C'est pour toi qui es grave, toi qui vis encore aujourd'hui. Il faut réfléchir à ta vie. Il ne faut pas rentrer négativement comme elle, dans un sens positif. Nous, on va dans la joie de l'Éternel. Il y a une fille qui se fâche. Elle a essuyé ses larmes. Elle dit aux gens, mais le prophète, là, il vient. Au de nous consoler, nous afflige, il nous triste. Il nous attriste. Mais aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. C'est pour dire quoi? Si quelqu'un meurt, il est mort, il n'a rien compris. Moi, par la grâce de Dieu, je ne meurs pas maintenant. Attends, je n'ai pas fini de faire l'histoire du Seigneur. Il est mort. Il est où? Pour aller dire quoi au ciel? J'ai à expliquer quoi au Seigneur? C'est pourquoi toutes les tendances, toute la voie que Dieu me montre, je l'emprunte. C'est clair. Bien-aimé, ne pense pas à la mort. Pense à comment tu vas avancer dans la vie. Vive ta vie selon le Seigneur dans la sanctification pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et tu as peur de mourir. On va tous mourir. Mais on va dans le temps de Dieu. Toi-même, il va arriver, tu vas appeler la mort. Quand ton tour va arriver, tu as vie, tu vois tes fils et tes petits-fils. Tu dis à la mort de venir. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore le temps, tu dois rester encore. Quand tu meurs, tu n'as pas envie de partir, tu t'en vas. Tu vas dire, tu vas au ciel. Amen. Amen. Et on dit, le Seigneur a donné, il a repris. Il a repris qui? Il t'a dit de venir. On va briser ça, c'est la loi de la mort. On arrive tout à l'heure. Allez. Le point que nous allons toucher, celui qui tient la loi, quelle que soit sa puissance, il obéira à ton principe. Je ne sais pas qui tient la loi dans ta famille, quelle force il a. Je ne sais pas comment le sorcier de ta mère, il s'envole. On dit votre oncle, il est dangereux, mais nous, on va le plier. 1 Samuel, chapitre 21. Le verset 1 à 6. Retenez bien, regardez, écoutez. Hein. C'est tellement que vous n'allez pas comprendre ce que je vais lire tout à l'heure. Là. Mais je vais vous expliquer. Verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 21, verset 1 à 6. David se rendit à Nob vers le sacrificateur. David s'est rendu à Nob, dont vous notez, vous soulignez Nob là en bas. Il courut effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? Verset 2. David répondit au sacrificateur Achimélec. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie
pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Mm-hmm. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Mm-hmm. Verset 3. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Hein? Donne-moi 5 pains pour ce qui se trouvera. Mm-hmm. Verset 4. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Mais il y a du pain consacré. Si du moins des gens se sont abstenus de femmes. Mm-hmm. Verset 5. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Amen. Oui. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux que tu sois un David ce matin. Qui est cet homme-là? Qui il est au juste? Écoutez, il change une loi. Et n'est pas n'importe quelle loi. Hein? La loi établie même par Dieu. Par les souverains sacrificateurs. Si cette loi établie par Dieu a changé par les données de ce monsieur-là, qu'est-ce que toi, quelle loi qui va tenir devant toi? Dis-moi la loi pour Dieu a changé et pour le diable. Ça va s'envoler? Tu t'inquiètes pour quoi? Sois entre les mains du Seigneur. Vis pour Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Regardez, David était le choix de l'Éternel pour prendre la place du roi Saül. Le roi Saül a su que ce petit est en train d'arriver. Il a cherché à le tuer. Il a manqué de le tuer. Et par la disposition de son fils Jonathan, David a pu fuir. Depuis ce temps, il s'est mis à chercher David dans le but de tuer son destin. Bien aimé, quand Dieu t'a établi pour un règne, pour quelque chose de bien donné, quel que soit tous ceux qui vont s'élever contre toi ne pourront jamais t'atteindre. Tant que la gloire, je vais entendre les amen. Il y en a parmi vous, il y en a qui réfléchit, mais 2019 va arriver, tu vas mourir. Tu penses à quoi? Dieu t'a établi. Il veut faire de toi quelqu'un de grand, de puissant. Les gens cherchent à te faire du mal. Tant que tu es entre les mains du Seigneur, ils ne vont jamais toucher à ton âme. Donc David fuyait. Il est arrivé à un endroit qu'on appelle Nob. C'était établi sur une montagne. Vous voyez? Nob est établi sur une montagne. Là où se trouvait, c'est une cité. Les sacrificateurs ont fait de cela une cité. Mais c'était sur un haut lieu. Nob, vous voyez? Et c'est là-bas, et tous étaient pour chercher la face de Dieu, etc. C'est là-bas que David allait se réfugier. Et quand le souverain sacrificateur, Achimélec, a demandé, mais d'où viens-tu, où tu viens, etc. Il a dit, non, le roi m'a dit, n'est pas. Donc, il ne voulait même pas que le souverain sacrificateur sache qu'on le poursuivait, sinon il allait avoir peur certainement. Il dit, non, écoute-moi, on m'a dit, n'est pas dit ceci, on m'a dit cela, juste pour ne même pas l'informer. Et après, il présente un besoin. Il dit, mes gars avec qui je suis là, enfin, c'est vrai. Depuis combien de jours les gars ont faim? On les poursuit à gauche, on les poursuit à droite. Ils n'arrivent même pas à manger. Là, le seul coin où ils pouvaient se réfugier pour manger, c'est sur la montagne énorme. Où se trouvent les souverains sacrificateurs? Au moins là-bas, c'est les hommes de Dieu. Ils pourront avoir pitié et donner à manger. Et David arrive, il n'y a rien à manger. Le roi a demandé autre chose, deux choses. Non seulement ils sont à Nob, tout à l'heure on parlera de Nob. Et il a dit, mais est-ce que tes gens sont purs? Il dit, oui, depuis 3 jours, on a quitté nos maisons, on est pu et tout ça. Il dit, ce qui me reste ici, c'est le pain sacrifié, le pain des propositions. Ça là, c'est dans le lieu, regardez, le lieu saint, le temple, c'est le lieu saint. On met le pain, etc. C'est fait pour des choses de Dieu. On ne touche pas, on ne mange pas. C'est là pour quelque chose. C'est là pour une image. Mais David dit, si c'était un péché, mais à cause de moi, l'instrument que je suis, ce lieu-là sera, ce truc-là sera sanctifié. À cause de moi, la loi change. Si Dieu avait dit on ne mangeait pas, mais Dieu va renverser ça en l'air là-bas, et moi, il va me faire manger parce que je suis son serviteur. Bien aimé, il y a des droits dans ta vie, tu peux changer toutes choses. Relis-moi la petite partie, vous allez voir. Écoutez bien. David répondit au sacrificateur. Il répondit au sacrificateur. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que je suis parti. Mm-hmm.
et tous mes gens sont purs. Mm. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, si c'est un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié. Il dit aujourd'hui là, ça va être sanctifié. Ça va changer aujourd'hui à cause de moi. Les choses peuvent changer à cause de toi. Par celui qui en sera l'instrument. Mm, c'est clair. Si Dieu a décidé de bénir dans 2 ans, bien-aimé, et que tu constates que ça chauffe, selon ta vie avec le Seigneur, tu peux changer les 2 ans. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Souvent, Dieu nous teste. Il nous donne un principe. Il dit, dans tel temps, je vais te bénir. Tu peux changer cela. Tu peux toi-même être un jugement pour changer cela. Tu dis, mais en 2 ans, ça ne m'arrange pas. Seigneur, c'est vrai, tu es Dieu. Ce que tu as dit, c'est vrai. Hein? Mais ça là, je dors chez les gens. Amène-moi une maison. Fais vite, Seigneur. En 6 mois, Dieu peut changer les données de ta vie. On ne sait pas baptiser avec le Seigneur. Regardez, il arrive quelque part dans une loi, il arrive, il peut changer. Mais c'est le pain des propositions là. C'est un acte profane à cause de moi, l'instrument que je suis. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, toi, tu ne peux pas peut-être vous jeter dehors. Parce qu'il y a quoi en toi et Dieu? Il y a quel lien en toi, le Seigneur? Il y a quelle alliance? Ce n'est pas n'importe qui change les lois. Les changeurs de lois, ils sont un. C'est ceux qui ont compris les choses avec le Seigneur. Ceux qui ne s'amusent pas avec leur vie. Tu peux changer les données des choses. Ramener, raccourcir le temps. Mettre la vitesse là-dedans. Bien même, on dit non dans tel. Non, tu mets la vitesse. David, c'était qui? Un homme juste qui marchait selon l'Éternel. Et il a mangé le pain. Il a mangé ça. Hein? Dieu même était content de lui. Si lui vient pour changer le pain des propositions, que nul n'a touché depuis la création de la chose. Mais il a fait. S'ils sont allés tuer, il est à cause de l'instrument. Regardez, à Nob où il était, vous savez ce que ça signifie Nob? N-O-B. On dit il était allé où? On appelle ça les, sur les hauts lieux. Est-ce que tu es dans les hauts lieux? Être dans les hauts lieux, c'est celui qui a la présence de Dieu, qui est devant le Seigneur, dans la consécration, qui parle avec Dieu. Il n'est pas avec les autres. Il a quitté le bas de la montagne. Il est dans les hauts lieux. Il ne regarde que le ciel. Il ne regarde pas le bruit qui se passe autour de sa vie. Sa vie est connectée. Moïse est monté dans les hauts lieux. Il y a un jeune homme qui l'a suivi, Josué. Quand les deux sont descendus là, ils ont trouvé le péché en bas. C'est à Moïse que Dieu a parlé. Parce qu'il était dans les hauts lieux. Le péché était loin de lui. Aaron est resté en bas. Il a eu des problèmes. Où tu es avec ta vie avec le Seigneur? Tu es où, bien-aimé? Comment tu marches avec Dieu? Ta communion avec le Seigneur. Et tu voudrais que ce Dieu-là se lève pour toi? Il peut t'amener à changer les choses si tu es dans les hauts lieux. Tu es son fils. Regardez. Josué n'avait pas droit à un certain nombre de choses. Mais parce qu'il était avec moi, il est monté, étant dans les hauts lieux, lui aussi a jeûné. C'est pourquoi le regard de l'Éternel était sur lui. Frères et sœurs, il est temps que tu sois noble. Là où se trouvent les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les femmes du Seigneur, là qui, ceux qui entrent à la présence du Seigneur. Quand tu pleures, le ciel s'élève. Quand tu parles, le ciel s'élève. Quand quelqu'un se lève contre toi, le ciel se lève. Quand tu poses tes pas quelque part, le ciel cautionne. On te donne cet endroit. Le féticheur qui se lève contre toi, le sorcier qui se lève contre toi, Dieu se lève contre cette personne. Désormais, il devient l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tous tes adversaires. Et on va voir qui va gagner. Dieu ne perd jamais de combat. Il est toujours victorieux. Là et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé, tu es dans les hauts lieux. David est allé dans les hauts lieux. Il est allé chercher les hauts lieux. C'est là où on mange le pain des propositions. L'interdit, là, devient positif. Tu peux changer ton lendemain. Tu peux changer ton histoire. Tu peux changer ton environnement. Tu peux changer toute ta tendance. Ce qui est dans la famille qui ne bouge pas, toi, tu peux faire bouger cela. Ta famille a la malédiction. Tu changes cette malédiction en bénédiction. On ne se marie pas. Toi, tu changes les données. On ne prospère pas. Toi, à partir de toi, là, c'est là que commencera la prospérité. Je ne suis pas obligé de ressembler à mes frères.
S'ils sont maudits, c'est leur problème. Moi, je suis à part. Je suis unique devant le Seigneur. Homme de Dieu, enfant du Seigneur. S'il est malade, je ne suis pas malade. S'il est maudit, je ne suis pas maudit. S'il ne se marie pas, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai compris les hauts lieux. Être à la présence de Dieu. Appartenir au Dieu des dieux. Au Dieu puissant. Au Dieu changeur. Au Dieu de gloire. On peut changer les données de notre histoire. On peut tout changer, ma soeur. Les pleurs ne changent rien. Les lamentations ne changent rien. Les plaintes ne changent rien. C'est la communion avec Dieu qui change les choses. Entre à la communion avec Dieu. Regardez. Le souverain serviteur a demandé, est-ce qu'ils sont purs? La deuxième chose, c'est la vie de pureté. Aujourd'hui, on peut vivre loin de Dieu dans le péché et puis vivre la gloire. Jamais! Jamais! Fuis le péché. Tout ce qui détruit. Aujourd'hui, tu vis dans l'inceste, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère. On ne voit même pas où tu es. Écoute-moi. Et puis tu viens à la présence de Dieu. C'est toi qui te plains que Dieu n'agit pas. Mais toi, où tu étais hier? Tu étais où hier? Il y en a, on dit, elles sont maîtresses de quelqu'un. On ne sait pas quel enseignement elles donnent. La nuit, tu enseignes quelqu'un. Un gros monsieur, tu es maîtresse. Reviens à l'école. C'est toi, on doit enseigner. Alléluia. Alléluia. Pensant qu'il y a des droits qui changent de vie. Non, je vais faire ceci et j'aurai mes papiers. Écoute-moi, bien-aimé. Vis pour Dieu. Ici, si la loi des papiers, c'est le péché, toi, avec toi, là, ça va changer de donner. Tu ne vas pas pécher, tu auras tes papiers. Les gens ont menti. Des ouins ont menti. Ils ont changé la parole du Seigneur. Il y a des messages qui disent, il faut contourner le mur. Quel mur on va contourner? Nous, on traverse le mur, là. On passe par la porte normale. Je ne contourne pas le mur. La porte est ici. Et c'est Dieu qui me donnera d'ouvrir la porte. Alléluia. Le péché, tu es dans la sainteté? Non, je vais tricher un peu. Écoute, ça ne marchera jamais. Et on change de pasteur. Quand le pasteur tape sur le péché, tu changes d'église. Tu peux changer d'église, mais tu ne vas pas changer le ciel. Tu ne changeras jamais le ciel. Le ciel est unique en son genre. C'est tous les sanctifiés qui entrent au ciel. Tu peux changer les pasteurs, aller chez les bishops. Il y a des bishops qui sont des menteurs. À cause de tes finances, ils peuvent te donner toutes sortes de paroles. Ils peuvent te mentir. Non, si tu pêches, ma fille, ça ne fait rien. On peut changer. Et il dit, le leader même change. Écoutez-moi, c'est le mensonge. Écoute-moi, c'est le mensonge. Dieu est unique en son genre. Aucun homme, même les hommes de Dieu sont en cause. Un homme de Dieu peut aller en enfer. Un leader peut aller en enfer. Un leader peut être égaré. Si le leader est garé, et toi? Alléluia. Alléluia. Tu ne penses pas que les pasteurs sont régalés aussi? Un pasteur, sa vie est mise en cause. Si Moïse, le corps de Moïse a été discuté sur la montagne pour aller au paradis, c'est pas toi. Toi, tu as fendu la mer rouge. Moïse a fendu la mer rouge. Il a défendu, il a cogné les dieux égyptiens. Malgré ça, son corps a été bloqué. Discussion. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a désobéi au Seigneur. Il n'a pas accepté ses principes. Mais il a été sauvé. Il a eu une discussion. Ce n'est pas normal. Et Moïse, si Moïse est sauvé, et toi, homme de Dieu, tu tapes toutes les petites filles qui passent. On dit lui là, il vient faire quoi en France encore ici? Il est venu ici encore. Vive dans la justice, te donne l'autorité sur tout. Peut-être que la bénédiction va tarder. Elle viendra. Et sûrement elle viendra. Et rien ne t'enlèvera. Bien aimé. Quand Dieu bénit, il bénit. Bien aimé. Si Dieu te bénit dans ta situation sainte, nul dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sera trouvé pour t'arracher ce que Dieu te donne. Il va t'ouvrir pas les portes, mais les portails. Ce que les gens voient là, c'est pas bénédiction. Être dans une voiture, il est béni. Non, 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 béni. C'est qui? Oui. La vraie bénédiction, c'est l'obéissance au Tout-Puissant. Vive son règne. Et écouter et vivre sa parole. C'est ça la réelle bénédiction. La bénédiction, c'est pas ce que tu vois là, non? On a menti. La Bible dit que si quelqu'un perd son âme pour toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça sert? Pour tous ces biens. C'est pourquoi il a dit à David, est-ce que vous êtes saint? Il dit oui. Nous, on est pur. Et on est là à la montagne des yeux. Tu viens dans les hauts lieux, est-ce que tu es pu? Laisse. Quitte dedans, tu vas voir. Tu vas changer les lois. Je n'ai pas entendu les amens.
tu vas changer les lois. On ne négocie pas avec ça. Hein? Aujourd'hui, on cherche des docteurs pour nous enseigner ce qu'on veut comme mal. Prêche, papa, parce qu'il a dit, tu peux avoir un copain. Prêche, papa, tu prêches. Si, vivre dans le péché, prêche, papa. Ces églises sont bourrées à craquer. Tu es homosexuel, prêche, papa. Lesbienne, prêche, papa. Et on dit là le monde, on calcule son ministère par le monde qu'il a. Jésus avait combien de monde? 12 disciples. Le jour où il est mort, là, il était 500. Quand il est monté au saison, il est 120. Il n'a jamais cherché la quantité, mais la qualité. Ce n'est pas la quantité qui va entrer au ciel. C'est pourquoi il a nettoyé le temps au temps de Noé. Il a nettoyé tout le monde. Et 8 personnes ont été sauvées à travers l'eau. Quand il y a des milliers de personnes qui sont mortes, 8 personnes, est-ce qu'il y a un match? Il s'en fout. Il a dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, vous êtes combien pour aller combattre? Il dit, on est 32 000. Le gars est content. 32 000, on est beaucoup. Non, non, vous êtes beaucoup. C'est des bandits qui sont au milieu de toi. Trie maintenant. On trie. Il reste 10 000 sur 32 000. Dieu dit, c'est beaucoup encore. Ah! Le Seigneur, ce que tu penses que c'est bizarre devant Dieu, là, c'est ça, il aime. On trie encore 10 000. Il reste 300. Il dit, ouais, allez-y. Parce que nul ne va dire, c'est lui qui a eu la victoire. Et ils ont eu la victoire. Et les autres, des peureux, des bandits, des sorciers, des impudiques, des adultères. Allez à la maison! On n'a pas besoin de ça ici. On a la vision qui doit être donnée. La gloire, nos ennemis sont en face de nous. La victoire doit se manifester tout le temps ici. Tes ennemis doivent fléchir chez nous ici. On n'a pas besoin du péché, mais la vie devant Dieu. La loi de la mort prématurée sera brisée. On lit seulement la Bible dans Actes chapitre 12, le verset 1 à 11. C'est long. Vous connaissez un peu l'histoire? Vous connaissez l'histoire là? Ils ont attrapé Pierre. Quelqu'un qui est à la tête de l'église. On veut le tuer. Et quand ils l'ont attrapé, ils avaient dit à tuer Jacques. Là, c'est Jacques. Mais Pierre, on voulait le tuer. L'église nécessaire de prier pour lui. Donc le lendemain, à la veille de sa mort, le roi a déjà organisé tout. Là, ils vont le juger, puis on le tue. C'est dans la nuit. Dans la nuit. Dieu l'a libéré. La loi de la mort prématurée a été brisée. Tous les projets des ténèbres contre ta vie, là, c'est le temps. Bien-aimé, tu vas entrer en 2019 dans la gloire. Ceux qui souhaitent ta mort, là, c'est toi qui vas aller les enterrer. On va voir si la mort est bon. Il y a un vieux, il est chef du village, il est chef sorcier des 4 cantons, vers Guitry là-bas. Et il tue ses enfants, il a brûlé son champ et sa maison et il est en ville. Il venait tuer son fils. Ils ont mis comment on appelle ça? Ils l'ont nommé les ambassadeurs là. Comment on les appelle? Merci, diplomates. Donc l'État l'a affecté. Georges Weah là-bas. Hein. Donc il y a quelques temps, il va partir. Donc il s'apprêtait. Ils l'ont rendu impuissant. Donc son papa sait qu'il y a une promotion. Il a quitté le village pour pouvoir quitter. Mais erreur! Au lieu d'aller directement chez le petit, il allait dormir chez une prieuse. C'est ma fille, elle prie. Et elle a senti que sa prière était limitée. Elle a demandé un secours, ce qu'on amène des éléments pour aller faire une veille avec elle. J'aime ça. Veille, ils ont fait. Les anges sont laissés pointer dans la maison. Le vieux malheur pour lui, c'est là qu'elle est venue dormir. La nuit, 2 gifles ont suffi. C'est qu'il vous dit là, c'est lui qui disait. Il dit, ils ont giflé 2 fois. Il s'est levé. Je suis sorcier, je suis sorcier, je suis sorcier. On dit non, on dirait qu'il est venu comme quelqu'un qui est malade. Il a AVC. Oh, ils n'ont pas AVC. Il crée des maladies pour vous créer des problèmes. Il est venu, on dit, ils l'ont giflé. Et l'ange qu'il a giflé dans la maison, il se promène. Il dit, faut dire ce que tu es venu faire. Il dit, sorcier, on l'attrape. Non, non, tu es malade. Non, il dit, sorcier. C'est après qu'il a compris. Non, il y a un monsieur là, il me gifle. C'est là la ma fille a compris que l'affaire est grave. On dit, ah, le vieux est vraiment sorcier. On appelle une de ses filles, elle est un pasteur. On dit mon papa est sorcier. Elle appelle son pasteur, elle dit, tu sais, il aime tellement les choses intellectuelles. Il commence à choquer. Tu sais, les trucs, voilà. Nous, on chasse des démons. On dit à sorcier, toi, tu veux parler intellectuel. Dieu, hey, on s'en fout d'intellectuel. Les démons s'en foutent d'intellectuel.
La jeune fille a appelé son père. Elle dit, il dit, donnez le portable à ma fille. Ma fille, je suis sorti. Non, papa, tu es malade. Je suis sorti, papa, tu es malade. Elle dit, il dit, là où je suis là, j'ai tiré une balle en sorcellerie. Elle est tombée au cou. Son pasteur a eu peur. Il dit, ah! Il a laissé Chocobi là. Il nous, en pasteur, il a disparu en même temps. Il peut pas. Quoi? Sorcier en distance. Il a tué. C'est là qu'il va comprendre. Le vieux est rentré dans mon bureau. Il dit, vieux, il y a quoi? Si tu me crois, tu vas mourir. Non, papa, pardon. Un gros sorcier. Papa, pardon. Chef du village, chef du sorcier, les quatre cantons. Dans un canton, vous savez combien de villages existent? Il a rendu son fils impuissant. Il dit, lui, il a le pouvoir d'aller prendre tout de son fils pour rendre ça puissant. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, il est chef sorcier. Il dit, vieux, on fait pas ça. Non. On a fini, on a prié. Le petit est devenu puissant. Il a enceinté même. Le vieux va au village, on était, il dit ses enfants organisaient un complot contre lui, on l'a mené chez un petit pasteur et le petit pasteur dit il est sorcier. Deux semaines après, il est décédé. Toi, il était parlé de Napoléon, il est mort. Là, lui-même, la mort prématurée qui voulait amener, là, c'est tombé sur lui. Tous ceux qui sont contre toi, qui veulent t'amener la mort prématurée dans tes affaires, dans ta vie. Eux-mêmes, en cette année qui va finir, l'autre année va commencer. Eux-mêmes, on va les enterrer. La mort dans tes affaires, c'est eux-mêmes. Ils ne vont plus manger à la maison. La mort dans ton foyer, c'est eux-mêmes. Ils vont se battre eux-mêmes. La mort chez tes enfants, je proclame la protection de tous tes enfants. Aucun ne sera atteint. Aucun ne sera touché. Ici comme ailleurs. Alléluia. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. On s'assoit. Les bonnes œuvres que tu as établi et tu as fait peuvent changer la loi. C'est pourquoi ce matin, on va poser des bonnes œuvres dans cette nouvelle église. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas.